Tandis que tu signes l'affaire, ne regarde pas en arrière. À l'heure où tu es découvert, ne regarde pas en arrière. On fait ça? Ouais. D'accord. C'est bon. Hugo, tu nous dis si c'est bon. Écrire des poèmes, c'est venu de là. Ce goût de mettre les mots ensemble, de voir qui rime, qui a un rythme dans ces mots, qu'ils envoient dans une espèce d'ailleurs, d'imaginaire. Une fois de retour des enfers, ne regarde pas en arrière. Ton bateau engagé sur la mer, non, regarde pas en arrière. Regarde droit, tes yeux suivent l'au-delà. Regarde droit, j'avais essentiellement envie de chanter. Envie de chanter parce que les sensations les plus prégnantes, les plus vives, elles sont venues à travers le chant. Ça me semble aussi essentiel de chanter avec d'autres gens, au maximum, parce que c'est aussi par porosité comme ça que ma voix, elle est, c'est comme une pièce de tombe, quoi, on va dire, dans le sens où chaque voix qui rentre en résonance avec la mienne, je me dis « Ah, ça oui, Et puis parfois, difficile à se réapproprier, et puis d'autres fois, il n'y a même pas besoin de chercher, et ça vient, ça ouvre juste des petites pistes supplémentaires de chanter avec des chanteurs et des chanteuses inconnus dans la rencontre. Je suis très gourmande, en fait. » Il y a aussi ce travail technique de savoir comment envoyer de façon plus dense, comment allonger l'ambitus, comment chercher à ce que ça devienne des bruits. C'est où la frontière en fait de la voix? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est... Je cherche, et puis c'est une recherche permanente, et j'espère libre, voilà, c'est ça l'étoile en fait, c'est ça la visée, c'est refaire dans le sens, rejouer des parties. Est-ce que ça doit être lyrique? Est-ce que ça... Voilà, j'aime manger à tous les râteliers, en fait. Et je trouve que dans chaque technique vocale et chaque voix hyper singulière, il y a moyen de prendre appui. Là, j'ai poussé, je me dis, ah tiens, ok, je suis allée un petit peu loin, donc je parle. Tiens, tu vois, il y a un chat qui monte dans la gorge, comment fumer, pas fumer, qu'est-ce que ça fait, tu vois, c'est... Il y a un côté où je suis très brutale et un autre côté où je prends soin.